Et bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le parcours du trail de la Chaussée des Géants. Vous allez pouvoir voir la partie commune des trois boucles, à savoir la Gravenne, le 10 km, Rancayao, le 21, et bien sûr la course mythique des trois vallées avec son 50 km et son nouveau tracé. Alors, direction les rues pavées de Tueil pour monter sur le volcan de la Gravenne. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Allez, nous voici en compagnie de Richard dans les rues de Tueil. On va quitter la rue haute. Vous allez voir, vous avez seulement 1,8 km de goudron. Puis après, place au sentier. Du pur plaisir sur les crêtes que vous allez découvrir. À la sortie du village, pensez à bien passer sur le petit pont. Ne vous trompez pas, à gauche c'est l'arrivée du 10. Nous voici ce qui nous attend, on monte sur les crêtes en face de nous. Allez, c'est parti. Allez, on fait le plein d'énergie, on prend les patates au passage. Et surtout au carrefour, on ne se trompe pas. C'est la deuxième sur votre droite. Et c'est parti pour l'ascension, la fameuse de la Gravenne. Vous allez voir, en première partie, le peloton va s'éclater. Gros coup de cul sur le goudron. Puis après, place au pavé pour l'ascension sous les châtaigniers. Allez, voici un petit peu le programme en ce début de journée. Vous allez passer tout là-haut sur les crêtes. Regardez un petit peu le profil. La Gravenne face à nous, le volcan. Puis on va aller au petit creux là-bas en face, la Gardette. Et Rancayao, le rocher pierre qui est sur votre gauche. Où on se séparer le 10 des autres parcours. Allez, il est grand temps de faire votre prière. C'est parti pour l'ascension. Relativement douce au départ, puis après ce petit virage à gauche, vous allez voir un gros coup de cul sur cette partie très roulante. Donc placez-vous, après ça va être single sur les pavés, ça sera nettement plus difficile de se doubler. Allez, c'est parti. Allez, une fois au carrefour du chemin de la Clapouse, c'est par ici que ça se passe. Deuxième à gauche, ça monte un petit peu. Puis après, c'est parti sous les châtaigniers, sur les fameux pavés de la Chaussée des Géants. Allez, pour ceux qui veulent découvrir le parcours, n'oubliez pas de penser au parcours pas trail permanent, donc des balisages réalisés par l'équipe organisatrice pour repérer les sentiers. Allez, c'est parti sur les pavés, sous les châtaigniers. Ce chemin était autrefois emprunté par les habitants de Tueil, les Atogiens, pour rejoindre donc la vallée de Montpezat qui est sur l'autre flanc du volcan de la Gravenne. Allez, méfiez-vous, petite épingle avec passage dans les rochers, puis relance juste derrière pour continuer l'ascension. Allez, juste après avoir laissé le rocher sur votre droite, un bon petit coup de cul sur ce virage droite. Après, petit plateau de relance, et à nouveau un petit coup de nez sur le virage gauche. Donc méfiez-vous, n'arrivez pas trop fort sur cette portion, il va falloir arriver à bien gérer. Allez, nous voici bientôt sur les crêtes, après la partie pavée dans les châtaigniers, partie beaucoup plus roulante, sur de la terre bien meuble, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir et relancer. Puis à nouveau, après le virage gauche, petite section pavée. Et puis c'est fini, vous allez arriver donc à la cime de cette première ascension. Allez, nous voici en haut de l'ascension. Une fois arrivé sur la route, pensez à bien tourner sur votre gauche. Vous allez avoir à faire 200 mètres. Ah, puis la grande surprise, qui c'est que nous retrouvons? Notre cher Lulu, notre directeur, nous l'a fait à l'ancienne. Ah, elle est venue nous chercher à la Gravenne, mais avec le C15 de choix. Hein. Sacré Lulu. Bon allez, une fois sur la crête, pensez à bien tourner sur la gauche. Comme on l'indique, nos parcours trail permanents. Et c'est parti, direction le volcan de la Gravenne. Vous allez voir juste après, dans le sous-bois, c'est sur la gauche, où on passe la barrière en bois. Et c'est parti sur la piste de la Gravenne. Bon, Jean-Luc, en ce début d'été, t'as l'air très très affûté. Je pense que les nounours en chocolat, il va falloir les éliminer. Comment te sens-tu pour cette première sortie longue en notre compagnie? Ah, je suis
pas très en forme là parce que j'ai passé juillet août avec beaucoup de la famille, des bons petits repas, du rosé. Et c'est ma première sortie longue effectivement. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop non plus revoir hein, parce que Mathieu lui s'entraînait 4 fois par semaine. Hein. Je crois que le plus affûté c'est bien le lièvre qui est devant nous. Notre Richard qui va nous mener un train de foulée aujourd'hui et va nous chauffer les mollets. Allez, on continue l'ascension. Au premier carrefour, vous ne tournerez plus sur la droite. C'est fini. Direction tout droit pour rejoindre les crêtes. Et vous allez voir, juste après ce petit léger droit, vous allez voir une bonne petite ascension qui vous attend. Elle se fait bien, elle est assez roulante. Donc prenez un max de plaisir. Après, ça va être fini pour se déplacer parce que on va arriver sur les singles, sur les crêtes. Et vous allez voir que là, ce sera un petit peu plus technique et surtout plus difficile de se doubler. Allez, une fois sur la plateforme, c'est parti sur la gauche, direction les crêtes, pour rejoindre Rancaillao. Mais avant, petit passage par la Gardette. Allez, c'est parti. Allez, après une partie plutôt roulante dans les châtaigniers, où Jean-Luc a mis la gomme, place à ce petit coup de cul avant d'arriver sur les crêtes. Et après, petite relance dans la descente. Et c'est parti sur les singles. Elle a pris une partie assez roulante. Place à un passage beaucoup plus technique. Allez, Michel. Vous allez voir que là, ça chauffe dur, dur, dur. Méfiez-vous de ne pas glisser. Et envoyez du lourd. Allez, une fois la descente finie, c'est parti sur le single dans les châtaigniers. Profitez-en pour bien vous rafraîchir et vous désaltérer, car après, fini les passages d'ombre sur les crêtes. Donc en cas de forte chaleur, pensez à bien vous arroser. Dernier instant fraîcheur avant l'ultime effort. Allez, petite mise en bouche de ce qui nous attend. Ça se passe en face sur les crêtes. Bon, on va deviner le single. À droite, ça sera direction le Fénadou pour la boucle de Rancaillao et des Trois-Vallées. Et Rancaillao qui est juste face à nous. Vous allez descendre à gauche, direction Brige, la Croix de Brige, pour la boucle de la Gravenne. Allez, là on va sortir de l'ombre, place au soleil sur les crêtes, c'est parti. Profitez-en pour regarder un petit peu la vallée de Tueil sur votre gauche. Décor somptueux. Alors qu'on arrive donc de la Gravenne, contemplez un petit peu la vallée de Montpezat, la route qui vous monte au Mont Gerbidéjon, la source de la Loire. Les crêtes, c'est ce qui vous attend pour vous qui allez parcourir à la boucle de Rancaillao ou des Trois-Vallées. Toujours partie commune sur ce single. Et en revanche, ceux qui feront la boucle de la Gravenne redescendront sur la gauche en direction du village de Tueil au fond de la vallée. Et si certains cherchent encore le bonheur, personnellement je crois que je l'ai trouvé depuis bien longtemps. Contemplez un petit peu le décor sur les crêtes, somptueux. Ce petit single, c'est vraiment que du bonheur. Alors on va essayer de rattraper Lulu et Richard qui sont partis à fond de cale. Ils me ménagent pas aujourd'hui alors que je suis en train de filmer. Je sens que je vais bien en suer aujourd'hui. Allez, direction juste là, au sommet, au fameux Rancaillao, où se partageront donc le 10, du 20 et du 50 km. Allez, on se rejoint là-haut. Alors qu'on arrive en face de la Gravenne, par ce petit single, super sympa, nous voici maintenant à Rancaillao, le fameux rocher, pour le 10 km, soit la boucle de la Gravenne, ça sera direction sur votre gauche, par ici les amis. Et c'est ici que se partageront les parcours du 20 et du 50 km, à savoir donc Rancaillao et les Trois-Vallées. Vous allez monter donc direction le Fénadou, où se partageront ces deux autres parcours. Allez, bonne continuation à tous. Oh, des champs, merveilleux.